Au large, c'est une zone de 37 km sur 11 qui a été fermée à la pêche à cause de la fuite de pétrole. C'est une zone assez grande qui a été directement touchée. Les équipes de nettoyage sont en train de gratter les boulettes de pétrole qui restent sur le sable et nous avons encore des rochers qui sont touchés. Il y a toujours un risque que du pétrole arrive encore, donc il faut continuer. Même si les plages commencent à être plus belles qu'il y a un ou deux jours, les opérations de nettoyage doivent se poursuivre. Cela peut prendre plusieurs jours, des semaines même, pour que la situation redevienne comme avant. Nous essayons de rendre cet endroit sûr, non seulement pour les baigneurs, mais aussi pour l'environnement marin. Nous savons que c'est un week-end prolongé, celui du Memorial Day, mais malheureusement, ces plages sont fermées. Les gens ne vont pas pouvoir venir ici.